On sait bien que tu adores tes amis, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas aussi les faire marcher de temps en temps. Nous y voilà. Ne t'inquiète pas, Emily. On rigole avec toi. Pas de toi. Si tu cherches des idées amusantes pour piéger tes meilleurs amis, reste à l'écoute parce que nous en avons tout un tas à te proposer. Hé, Olivia! Oh, c'est le nouveau film de Keanu Reeves! Hé, tu m'en donnes un? Oh, ce n'est pas très sympa, ça. Ah, ok, tu ne veux pas partager. Je vais te donner une leçon. Olivia, laisse-moi te montrer un tour de magie. Mets tes mains comme ça. Maintenant, je vais mettre mes doigts entre les tiens. Boum! Maintenant, tu peux utiliser aucune de tes mains, ma grande. Hé! Rends-moi mes mains! Waouh, ces trucs au fromage sont délicieux, n'est-ce pas? Allez, lâche-moi, Emily! On se laisse encore tenter par les sucreries, hein? Bon, lequel je vais manger en premier? Emily? Qu'est-ce que tu fais là? On dirait qu'elle est sur le point de se venger d'Olivia pour avoir volé ses gâteaux apéro au fromage hier. Oh la vache, Olivia va flipper quand elle verra ce truc. Allez, je suis prête à manger. Gah! Comment ce truc est arrivé sur mon cupcake? Et dire que j'ai failli mettre cette créature dans ma bouche? Attendez une seconde, ça a l'air un peu brillant, non? Ce n'est pas un vrai cafard! Mais ce truc est vraiment dégoûtant! Pourquoi j'ai le sentiment qu'Emily est derrière ce sale coup? Tu risques de le regretter, ma petite, tu vas voir. Tu veux faire peur à ton ami? Attends d'apprendre à faire ce tour en douce. On va regarder comment ça marche, d'accord? Pour cette farce, tu auras besoin de ces articles ménagers simples. Enlève le capuchon de la bombe et perce-le avec une punaise qui est déjà accrochée à un ruban. Place maintenant un morceau de ruban adhésif en toile sur le dessus pour qu'il appuie sur l'embout. Maintenant, place la bombe dans l'un de tes placards de cuisine. N'oublie pas de la coller au mur de l'étagère. Maintenant, colle l'extrémité du long ruban sur la porte du placard. Il ne nous reste plus qu'à attendre que notre victime tombe dans le piège. Oh oh, c'est parti! Oh non, elle est totalement tombée dans le panneau! Emily va avoir besoin d'une bonne douche après ça. Oh, faites que ça s'arrête! Ça n'a pas l'air d'être très bon. Ah, je t'ai bien eu, ma jolie. Burk, mais c'est quoi ce truc? Tu ferais mieux de courir parce que je vais te botter les fesses. Prêt pour la farce géniale suivante? Tu auras besoin de deux punaises, d'un ballon ordinaire comme celui-ci, et de ruban adhésif. Enroule un morceau de ruban adhésif, colle-le au mur et colle-y une punaise. Prends un plus grand morceau de ruban adhésif plié et colle-le sur la porte au même niveau que la pièce précédente pour que le résultat ressemble à ça. Maintenant, colle les ballons gonflés sur les derniers morceaux de ruban adhésif. N'importe quelle couleur fera l'affaire. Chut, ne dites pas à Olivia ce que je viens de faire. Oh, la voilà qui arrive. Ah, c'était quoi ça? Le bruit des ballons qui éclate est si puissant qu'il fait peur à tous ceux qui ouvrent cette porte. Regarde-les éclater. Ça, c'est l'expression parfaite de la peur. Qui a besoin de café si tu peux te mettre un petit coup d'adrénaline avec ça? On passe une soirée tranquille, n'est-ce pas? Ah, il est temps pour moi de profiter d'un bon livre. Voyons voir, où est-ce que je me suis arrêtée? Waouh, Emily s'endort très vite, non? C'est si paisible. Oh non, qu'est-ce que tu vas lui faire, Olivia? Tous les farceurs savent qu'un ami endormi est une cible idéale et géniale. On va essayer ça pour voir si elle dort si bien. Dieu merci, elle dort profondément. Je vais juste prendre ton téléphone tout doucement. Facile, oui. Vite, bouge de là ma petite. Bien, voyons comment on pourrait piéger Emily aujourd'hui, ok? Si tu as accès au téléphone de ton ami, cherche rapidement des images de verres brisés. Ah, j'ai trouvé quelque chose de parfait. Maintenant, va dans les réglages et mets cette image sur l'écran de verrouillage et sur l'écran d'accueil du téléphone. Ok, c'est enfin le moment de voir cette super blague en action. Lève-toi et fais un grand bruit de pas. Oh non, Emily, ton téléphone, il vient de se casser. Quoi? C'est un tout nouveau téléphone? Aïe, ça se présente mal, non? Emily, ne pleure pas. Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le penses, tu vois. Oh, ouais, elle t'a bien eu, Emily. Si tu fais du shopping, n'oublie pas, tu ne devrais peut-être pas emmener quelqu'un comme Emily avec toi. Hein? J'aurais juré que quelqu'un m'avait tapé sur l'épaule. Super, je me fais encore des films.
Ok, j'ai vraiment senti quelque chose cette fois. Sérieusement, c'est quoi son problème? Olivia ne sait pas qu'Emily est encore en train de faire ses mauvaises blagues. Bon, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Hé, mon vieux, pourquoi tu fais... Ah! Emily? J'aurais dû me douter que c'était toi. Envie de faire quelque chose pour pimenter l'après-midi? Oh, ça fera l'affaire. Emily va regretter d'avoir laissé traîner ses clés. Pour cette farce, tu auras besoin de ça et d'un ballon dégonflé comme celui-ci. Mets le porte-clés dans le ballon. C'est peut-être un peu difficile, mais... Essaye de tout faire rentrer là-dedans. Et voilà. Mais attends, ce n'est pas tout à fait fini. Gonfle le ballon avec les clés encore dedans. Ne souffle pas trop fort, hein. Comme ça. Ce n'est pas mal. Bon, je vais au centre commercial. Tu n'aurais pas vu mes clés de voiture par hasard? Pas là? Mais où est-ce que je les ai mises? Sérieusement, j'ai cherché partout. Partout? Hein? Et qu'est-ce que mes clés font là-dedans? Super. Comment je suis censée les trouver dans cet océan de ballons? On dirait qu'il y a une fête d'anniversaire par ici. On dirait bien qu'Emily va trier des ballons au lieu d'aller faire du shopping. Oh, Olivia, pourquoi tu me fais ça à moi? Si tu as trouvé ces blagues hilarantes, attends de voir le bêtisier. N'hésite pas à partager cette vidéo de farce avec tes meilleurs amis. Mais fais gaffe, tu ne voudrais pas leur donner de mauvaises idées. Comme toujours, abonne-toi à la chaîne One Two Three Go pour d'autres vidéos amusantes comme celle-ci.